Hello, yes, it is. Do you want a cup of tea? Help, help, Pedro! Bonjour, messieurs! Qui est Sun Fatin? C'est moi! C'est moi. C'est moi. Non. Qui est lui? C'est moi. Mais vous, vous êtes qui? Le dernier. Jean-Michel? Non. Oh! Jean-Michel! J'ai ça, ouais. Messieurs, excellent séjour au Mexique. Au revoir, au revoir, merci. Où est-ce qu'on va avec ces petits chevaux là comme ça? Ah? Alors comme ça, on est chinois. Hein? Pas de chance. Vous êtes tombé avec un des plus grands spécialistes du monde pékinois. Alors messieurs, je vous écoute. Oui, c'est-à-dire n'est pas tant pour autant chinois. On est métis. Je vous garantis qu'aujourd'hui, c'est pas facile la double culture. On est nulle part chez nous. On a tout laissé. Laissé en Chine, vous vous rendez compte, on a laissé les tapots chinois, on a laissé nos nourritures, c'était chaud sur la table. La mère venait de faire le futur, les nems étaient chauds, brûlants, j'ai dit maman, laisse-moi manger, non, va-t'en, retourne en Amérique, c'est toi. On a laissé les dongs, je me souviens, on était sur les dongs, le matin, la brume sur les rivières, on battait la Chine, on sortait, on partait sur le Yangtze Kiang, sur le Dong. On faisait du karaté, ça c'était la belle époque. Là-bas, c'est le karaté, c'est vraiment là-bas. Tu arrives le matin, pour te dire bonjour, mais un coup de karaté quand t'as la nuque. On faisait... Quoi? Oui. Avez-vous déjà goûté le poulet braisé? Le poulet braisé du maître Chai? Oui, c'est-à-dire, on a la même mère, pas le même père. Ah, d'accord, j'avais pas compris. Comme ça, j'étais belliqueux comme ça. D'accord, bah, tout va bien. Hein? Et bien, bah, comme on dit au Mexique, bien. Eh ben, allez-y. Au revoir, monsieur la douane. Au revoir. Tu sais quoi? Ça m'a fait du bien de reparler chinois. Eh ben, n'empêche que mes filles, ils ont pris